Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration « Je m'oriente en live » proposée par l'organisme Jeunes Expo Stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir, à vous les jeunes à la maison, cette opportunité d'en apprendre plus sur divers métiers et professions afin de vous aider, vous éclairer par rapport à votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura l'honneur et le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale. Donc, si jamais à la maison, vous avez des questions spécifiques pour notre mentor invité, simplement les inscrire en commentaire sous la vidéo et tout au long de l'entrevue, on tentera d'y répondre. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, M. François Légaré, qui est professeur et chercheur scientifique en chimie et photophysique à l'INRS. Bonjour, M. Légaré. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le premier scientifique chercheur dans le domaine de la chimie. Alors, on a très hâte d'en apprendre davantage sur votre quotidien. D'abord, pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi vous avez accepté l'invitation et pourquoi est-ce important pour vous de vous adresser à la jeunesse pour partager votre passion? Bien, en fait, la raison pourquoi j'ai accepté, c'est que bon, comme prof d'université, je suis un peu loin des gens du secondaire, là. J'en rencontre pas dans mon quotidien, mais je considère que la science en général et le génie, ça peut donner aux jeunes des carrières vraiment intéressantes. Ce sont des domaines qui permettent de réellement améliorer la façon dont on vit. Et en plus, ben, ce sont des métiers qui sont très bien rémunérés où il manque de monde. Il manque réellement de monde. Et c'est des domaines qui sont très importants pour l'économie du Québec. Donc, je considère que, comme prof d'université, j'ai le mandat d'intéresser les jeunes à ceci parce que ça, il en va de l'avenir de notre société moderne, en fait. Totalement. Puis j'espère que la rencontre d'aujourd'hui va pouvoir éclairer les jeunes à la maison là, par rapport aux perspectives d'emploi là, comme scientifique, puis le quotidien également. Et parlant de quotidien, à quoi ça ressemble une journée type comme étant chercheur, professeur scientifique en chimie photophysique? Bien, en fait, le métier de chercheur, le métier de professeur à l'université, on a une équipe de recherche. Nous, à l'Institut national de la recherche scientifique, on est un peu spécial. On est une université où on n'a que des étudiants de maîtrise et de doctorat. Donc, je n'ai pas à enseigner des cours formels au baccalauréat, là, le cours magistral typique. Donc, ma journée, c'est beaucoup de réunions avec les différents membres de mon groupe pour suivre leurs projets de recherche, pour itérer avec eux, trouver des nouvelles idées. Faire une revue attentive de la littérature. Puis c'est certain que comme étant responsable de l'équipe, ben c'est moi qui dois écrire les demandes de subvention avec l'aide bien sûr de mon équipe pour aller chercher les fonds nécessaires pour payer tout ce monde-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants à la maîtrise et au doctorat en sciences et génie au Québec, eh bien ils ont une bourse pour vivre pendant leurs études, une bourse qui sont payées à même nos fonds de recherche. Typiquement, à la maîtrise, c'est autour de 17 000 $ par année. Puis au doctorat, c'est 22 000 $. Ça, c'est les minimums. Donc, les jeunes qui travaillent dans nos équipes, ils ne travaillent pas bénévolement. Ils ont un support financier. Puis moi, ben, j'ai la responsabilité de faire en sorte que financièrement, il y ait tout disponible pour à la fois les supporter financièrement, mais aussi les équipements dans le laboratoire et tout. Là. Donc, ma journée, c'est de l'administration, discuter science, motiver, j'appelle souvent motiver mes troupes à se dépasser au quotidien. Puis, mis à part là, les fonctions un peu plus administratives, là, d'aller chercher du financement, parce que c'est sûr que mener un projet de recherche, ça prend beaucoup de matériel, ça prend des sous derrière. Donc, du financement, c'est vraiment une base super importante. Mais dans l'aspect plus pratique, en labo, on peut s'attendre à quoi comme journée de travail? Bien, typiquement, disons, si je parle des membres de mon équipe, ils arrivent le matin, disons, vers 8h30, 9h. On démarre les lasers. Les lasers ont besoin un certain temps pour réchauffer, en quelque sorte, pour être fonctionnel. Puis, ben, à partir de 9h30, 10h le matin, on commence les expériences, on acquisitionne des résultats. Et la façon dont on fonctionne, c'est que l'étudiant va avoir accès typiquement, ou le personnel de recherche, pendant 2 à 3 semaines, va avoir accès au laser.
Puis après ça, pendant un mois ou deux, ça va être plutôt de rester chez lui actuellement à cause de la pandémie ou à son bureau en temps normal pour analyser les résultats, développer des modèles théoriques pour essayer de comprendre les résultats, discuter avec les collègues quand on se comprend pas quelque chose. Donc, c'est beaucoup un travail itératif où on apprend, puis au fur et à mesure qu'on apprend, on se rend compte qu'on comprend pas tout, en fait. Je dis souvent, moi, apprendre, c'est en réalité comprendre qu'on comprend pas grand-chose. Au fur et à mesure de notre apprentissage, on se rend compte qu'il y a encore plus à découvrir, puis ça suscite des nouvelles idées puis des nouveaux projets de recherche, en fait. Et justement, selon vous, ça serait quoi les principales qualités requises pour exercer comme chercheur en chimie photophysique? Vous avez nommé là, l'esprit d'analyse qui est super important, la curiosité, est-ce qu'il y en aurait d'autres aussi, selon vous? Bien, c'est certain que au-delà de la curiosité, puis faut être passionné pour faire ce job-là. Parce que quand l'expérience fonctionne à 16h30, ben souvent on reste au laboratoire, puis on peut rester jusqu'à 20h, 21h, 22h. Les semaines où on travaille en laboratoire, ça peut être des semaines qui sont longues, qui sont difficiles. Donc, faut voir ce métier-là à la limite comme un hobby. Cela dit, ça, c'est réellement le milieu universitaire. Dans la vie de tous les jours, les gens qui sont chercheurs en milieu industriel ou dans les laboratoires gouvernementaux, ils travaillent pas jusqu'à 10 heures, 22 heures à tous les jours. Mais quand on fait notre maîtrise ou notre doctorat, puis quand on est prof d'université et qu'on gère une équipe, ben on a souvent des horaires assez atypiques. On pourra parler tantôt des avantages aussi de ce métier-là. Il y a des avantages, mais certains pourraient voir ça comme un inconvénient. On a des longues heures, mais c'est pour ça que je dis, c'est la passion qui nous motive, un peu comme les gens qui font du sport olympique, qui sont jamais découragés d'aller s'entraîner. C'est vrai, c'est un bel exemple que vous donnez. Puis effectivement, je pense que la paye en bout de ligne, la motivation vient de l'aspect concret qu'on a une fois que l'expérience a fonctionné. C'est exact. Ça notre paye, c'est ça qui nous encourage là, en bout de exact. Ligne. Quand on a de beaux résultats, là, il y a comme, je le vois, là, puis c'est comme prof d'université, c'est mon plus grand plaisir. Quand je vois mes étudiants, mes étudiantes obtenir des résultats où on voit dans les yeux là, ça pétille, là, la fierté d'avoir accompli l'expérience difficile qu'il y avait à accomplir, ça fonctionne, on peut écrire une publication scientifique, c'est ça le comment dire en français, en anglais j'aurais dit reward, là, le point gagnant, là, la loterie au bout du travail en quelque sorte. Totalement. Puis un autre aspect positif aussi de votre secteur d'activité de chercheurs scientifiques, c'est que vraiment ce que vous créez, les expériences que vous menez, c'est très concret, ça a une portée là, dans le ici, maintenant, puis on s'en sert, ça va continuer à faire des petits également. Là. Bien, en fait, souvent je dis, puis c'est ça, on fait beaucoup de recherche fondamentale dans mon équipe de recherche. Souvent la recherche fondamentale, on a de la difficulté à voir les liens avec la vie du jour le jour, mais il y a plein d'apprentissages qu'on fait quand on travaille au laboratoire qui vont être utiles pour l'emploi. Donc, faire des études graduées, c'est apprendre à apprendre. J'apprends beaucoup plus rapidement aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. J'ai appris à apprendre à travers ma carrière et quand on travaille dans l'industrie, puis qu'on fait face à des nouveaux défis, on veut développer des nouveaux produits, des nouvelles technologies, bien, quand on acquiert de l'expérience, bien, on est plus rapide à trouver les solutions. Donc, il faut voir les études, non pas comme dire, est-ce que ça va me servir demain? Faut pas voir les études comme ça. Faut voir les études comme, j'apprends à apprendre pour me permettre d'aller plus loin dans les défis que j'aurai à relever. Puis justement, il y a une question ici de Mekonso. Qui se demande, quand vous étiez plus jeune, là, justement, M. Légaré, à l'âge de 20 ans, comment est-ce que vous avez su que c'était la chimie, votre passion? Comment est-ce que cette étincelle-là pour votre domaine est arrivée? Bon, moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis quand j'étais au cégep, j'allais jouer au club d'échecs. Puis il y avait un chimiste qui venait jouer au club d'échecs avec nous le midi, un chimiste qui travaillait
à ce qu'on appelle la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. C'est une énorme fonderie pour extraire le cuivre puis des métaux. Donc, il y a des chimistes qui travaillent à cet endroit-là. Puis, ben, j'aimais la chimie au cégep, mais j'avais pas encore vraiment accroché. Puis, j'avais vu l'opportunité d'avoir un emploi bien rémunéré après mes études. Puis, je savais que j'avais un profil plus science, nature, génie qu'un profil science humaine. Tu sais, je me voyais pas psychologue ou sociologue, mettons. Donc, puis là, à ma deuxième année de cégep, j'ai eu deux professeurs de chimie organique qui m'ont vraiment marqué. Je m'en souviens encore, M. Maurice Vallière, puis le deuxième, je me souviens pas de son nom, mais vraiment, eux, ils m'ont marqué, puis je me suis dit, je vais aller faire de la chimie. Puis mon idée, c'était d'aller vers la chimie pharmaceutique. Je suis arrivé à l'université à Sherbrooke, j'ai fait des stages en milieu industriel, mais là, il est arrivé un pur hasard, j'ai rencontré un professeur de chimie quantique, de spectroscopie, ça a comme créé une passion chez moi, comprendre l'interaction entre la lumière et les molécules. Et c'est comme plus comme une succession, j'appelle ça, d'accidents, de rencontres avec des gens qui m'ont inspiré à aller vers ce domaine-là. Mais quand j'avais 13 ans, puis j'étais adolescent, je ne rêvais pas de devenir un chimiste. En fait, je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Comme d'ailleurs, peut-être des jeunes en ce moment qui nous écoutent. Exact. Ça peut être difficile de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire plus tard. Exact, je comprends tout à fait ça. Selon vous, les jeunes du secondaire en ce moment, qui auraient peut-être des difficultés en mathématiques ou en physique, en chimie, est-ce que ça peut justement les freiner à faire carrière comme scientifique? C'est quoi votre avis là-dessus? Écoutez, quand j'étais jeune puis j'étais étudiant au secondaire, j'avais des notes légèrement au-dessus de la moyenne. Puis, la principale raison, c'est que je n'étais pas très intéressé. Et je le reconnais, là, moi, là, dans la vie, hein, quand je suis pas intéressé par quelque chose, j'ai pas beaucoup de motivation. Fait que je comprends un peu les jeunes. Fait qu'il faut pas voir parce qu'on n'a pas dans les 97 que c'est comme impossible. Puis il faut qu'on soit capable de faire l'introspection. Moi, je savais, jeune, que c'est parce que je mettais pas complètement les efforts. Mais à partir du moment où des gens ont suscité la passion puis mon intérêt, ben là, j'étais prêt à mettre les heures nécessaires pour pouvoir compétitionner. Fait que je dirais, ne vous limitez pas à aller en sciences, nature et génie, là, je me souviens plus le nom au cégep, là, à cause de vos résultats scolaires. Si ça vous intéresse, si vous croyez que vous pouvez mettre les heures, que vous êtes prêt, il y a toujours une façon de se rattraper. Parce que moi, au secondaire, ma moyenne en chimie physique, c'était autour de 80. J'étais pas l'étoile de mon école, là, en termes de résultats scolaires. Donc, il faut laisser tomber ce stéréotype-là qu'il faut absolument exceller en chimie, maths et physique dès le secondaire. C'est des choses qui peuvent se développer quand on est passionné. Il ne faut pas se freiner à ça. D'ailleurs, au niveau de la formation, une fois que les jeunes ont terminé le secondaire, quelle est la formation nécessaire là, pour devenir un chimiste? Bien, disons que le profil standard, là, c'est... sciences de la nature, sciences pures, sciences de la nature, là, le 2 ans de cégep. Cela dit, il y a les techniques qui sont possibles, comme techniques de génie physique, techniques, parce que maintenant, avec des techniques, les gens peuvent après aller faire leur baccalauréat en génie. Le bon exemple, c'est l'École de technologie supérieure dans le réseau de l'Université du Québec. Ben, elle accepte principalement, si ma mémoire est bonne, que des gens qui ont une technique. Donc, il y a des techniques dans lesquelles on apprend les concepts de mathématiques, de physique et de chimie, puis il y a toujours une façon de revenir ensuite à l'université. Donc, c'est sûr que si on fait sciences humaines, littérature, on oublie ça. Mais je pense que les gens qui ont un profil sciences humaines, littérature le savent, qui ont ce profil-là, puis les gens qui ont plus un profil mathématiques, physique, chimie, biologie le savent. Donc, il y a différentes portes. Le chemin standard, c'est le cégep, là, 2 ans. Mais il y a aussi la technique qui est possible.
Puis des fois, c'est peut-être un bon compromis parce que les gens sont pas certains. Ils se disent peut-être que je veux intégrer le marché de l'emploi. Puis vous savez, moi, dans mon équipe de recherche, là, j'ai 3 techniciens qui travaillent dans mon équipe de recherche puis qui sont excellents pour faire fonctionner mes lasers. Donc, ça, on peut travailler dans le milieu de la recherche sans nécessairement avoir un doctorat. C'est ça mon point. Oui. Il y a du monde avec une technique qui vont travailler dans l'industrie, dans des projets R&D. Tout le monde a son importance dans une équipe de recherche. Il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant dans ce que vous amenez. Vous parlez des lasers. Pour ma part, moi, j'associe plus les lasers à la physique, mais vous avez quand même un parcours en chimie. Alors, d'où est-ce que ça se rejoint, ces deux disciplines-là? Bien, c'est ça que je disais tantôt. Moi, j'ai un profil un peu bizarre. J'étais allé en chimie à cause de 2 profs au cégep qui m'ont vraiment marqué. Puis d'ailleurs, ben à l'époque, les professeurs de physique ne m'avaient pas autant marqué. Parce que si peut-être m'aurait marqué, j'aurais été en physique. Mais ce qui m'a marqué en chimie, quand je suis arrivé à l'université, c'est l'interaction de la lumière avec les molécules. Puis, ben un laser, c'est quoi? C'est de la lumière, en quelque sorte, qu'on contrôle parfaitement. Fait qu'en pouvant contrôler parfaitement la lumière qui vient de nos lasers, ben on peut étudier comment on peut contrôler nos molécules avec la lumière des lasers. Fait que c'est là le lien avec la chimie. Fait que j'ai fait ma maîtrise en chimie théorique où je solutionnais des équations compliquées sur mon ordinateur. Puis ça a toujours été parce que j'aimais les mathématiques aussi. Puis après ça, j'ai fait mon doctorat en chimie physique expérimentale. Après ça, j'ai fait un stage postdoctoral aux États-Unis dans un laboratoire où je confrontais aussi des idées de biologie. Donc, j'ai comme un parcours assez atypique qui vient plus comme j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, puis j'avais la motivation pour apprendre des nouvelles choses. Puis, faut pas se limiter à ce qu'on savait dans le passé. Faut être prêt à prendre les défis de l'avenir. Puis c'est ça justement qui fait l'esprit scientifique, c'est de toujours pousser plus loin puis d'abattre les barrières. Puis justement, dans votre discours, justement, on remarque que ça s'entrecroise, là, la physique, la chimie, la bio, tout ça, ça s'entrecroise, puis tout vient de l'intérêt aussi que le jeune étudiant peut avoir. Est-ce que c'est plus par rapport à la lumière, à la physique? Est-ce que c'est plus par rapport à la chimie, les molécules? Fait que selon notre intérêt, notre dada, c'est possible de se positionner puis de pousser plus loin après. Pour se rendre à Rome, il y a beaucoup de chemins. C'est ça. Puis faut pas avoir peur d'emprunter des nouveaux chemins. Quand on a la motivation, quand on est prêt à mettre les efforts, la réussite vient. Ça, j'en suis convaincu. Je ne sais pas si c'était juste moi qui ai un présupposé, mais quand je m'imagine un laboratoire de chimie, j'imagine là des expériences avec des liquides, des explosions de temps en temps. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Ben, en fait, la chimie dont vous la décrivez, c'est la chimie que je n'aimais pas à l'université. J'appelais ça les laboratoires qui puent. Bon. J'aimais pas ça, puis c'est pour ça que j'ai quitté la chimie pour m'en aller plus vers la physique, en fait. Mm-hmm. Donc, les lasers, c'est vrai, c'est plus de la physique que de la chimie, mais mon parcours atypique fait que j'ai de l'intérêt pour utiliser les lasers pour comprendre la chimie. Mm-hmm. Donc, moi, dans mon laboratoire, il n'y a pas de ballon, puis de la fumée, puis des explosions, puis... Mais c'est sûr que oui, il y a encore des laboratoires de synthèse, de chimie. Puis quand on veut faire une réaction chimique, bien souvent, on met les produits dans un ballon, on fait chauffer, il y a de la boucane, il y a une hotte chimique. Donc, ce que vous dites n'est pas complètement loin de la réalité, mais c'est pas la réalité de tous les laboratoires de chimie. Okay. La chimie, c'est quelque chose, il y a plein de domaines en chimie. Ça peut toucher autant à la biologie, ça peut aussi être à l'interface avec la physique, à l'interface avec les matériaux, il y a le génie chimique. Donc, il y a plein de possibilités. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est écoutez ce que vous avez envie de faire, allez au cégep, ne vous dites pas qu'à cause d'un mauvais résultat dans une matière que votre avenir est terminé.
vous continuez, vous donnez des efforts, puis d'être capable de faire l'introspection, de se dire, bon, c'est quoi les erreurs que j'ai faites? Mm-hmm. Je vais juste compter une petite anecdote. Mon premier examen de chimie quantique à l'université, j'ai eu 30 %. Et je sais pourquoi j'ai eu 30 %, c'est parce que je n'ai pas étudié. Et là, je me disais, bon, comment je vais faire? Puis je me suis mis à lire le livre du cours plus attentivement, aller voir mon professeur, poser des questions, et c'est devenu ma matière préférée. Puis j'ai fait ma maîtrise en chimie quantique. Donc, il ne faut pas se limiter aux résultats. Il faut se dire, bon, OK, quelle erreur que j'ai fait? Peut-être que je n'ai pas assez étudié. Puis après ça, avec la motivation de retravailler plus fort, puis on peut toujours revenir. Et c'est vrai ce que vous dites pour l'examen final. Bon, voilà, donc un beau succès. Puis justement, c'est intéressant ce que vous dites pour l'étudiant qui n'a pas nécessairement A+ dans ses examens. Il faut faire l'introspection, il faut se remettre en perspective, puis se retrousser les manches pour le prochain. Mais c'est un peu ça aussi la réalité d'un chercheur en laboratoire, parce que ça ne fonctionne pas toujours à 100% comme on le veut. Il faut quand même une capacité de résilience, puis exact. De se repositionner. Donc, dans les deux cas, on le vit à l'école, dans les examens, mais on le vit aussi en laboratoire là, comme chercheur. Alors, c'est super pertinent. Non, c'est tout à fait vrai. Nos expériences que l'on fait de jour à jour ne fonctionnent pas toujours. En fait, souvent, ils ne fonctionnent pas. Pour commencer. Donc, si à chaque fois qu'on recommence, on est déçu, puis que ça nous démotive complètement. Il faut avoir, comme vous avez dit, cette capacité d'être résilient par rapport aux échecs. Mm-hmm. Puis de se retrousser les manches, puis de retourner, puis de continuer fort. On parle beaucoup là justement du domaine de recherche en chimie, mais quelqu'un, par exemple, là, qui termine son baccalauréat en chimie, où est-ce qu'on peut aller travailler? Quels sont les secteurs d'activité possibles? Ah, il y en a tellement une variété. Moi, je me souviens, mes stages industriels pendant mon baccalauréat, je les ai faits chez une compagnie sur la rive sud dont ma mémoire a oublié le nom. Hein. J'avais 20 ans à l'époque. Faisait des panneaux de gypse pour les murs dans nos maisons et du ciment à joints pour les joints dans les maisons entre les murs. Dans les cosmétiques, il y a de la chimie. Les produits pharmaceutiques, il y a de la chimie. La peinture, il y a de la chimie. La chimie, elle est partout autour de nous. Puis, moi, en tout cas, je sais que tous ceux qui ont fait leur baccalauréat en chimie avec moi, là, tous ceux que je n'ai pas perdu de vue, tout le monde a un emploi, les gens sont bien rémunérés, ont des belles carrières. Puis comme je disais tantôt, oui, quand on fait notre doctorat, on travaille beaucoup d'heures. Mais quand on est chimiste dans une entreprise, on ne travaille pas jusqu'à 22 heures à tous les jours. Mm-hmm. On a un horaire normal, on a un bon salaire, puis on contribue à l'activité économique du Québec. Ça, c'est vraiment un plus aussi là, par rapport à votre domaine, à la science en général comme chercheur, c'est que la science, elle est partout. Donc, si on a un intérêt, par exemple, pour les cosmétiques ou pour la construction, mais qu'on a un intérêt aussi pour la chimie puis qu'on a un baccalauréat, c'est possible d'arrimer ces deux passions-là puis se trouver un emploi qui est en addition là, avec les deux. Ça, c'est vraiment un avantage. Tout à fait. La chimie, elle est partout autour de nous, puis dans les procédés industriels. Donc, c'est sûr que ces compagnies-là engagent des chimistes pour justement aussi juste une question de sécurité. Hein, dans une usine où on manipule des produits chimiques dangereux, ben, faut bien qu'il y ait au moins une personne qui connaisse la dangerosité de ces produits-là pour faire en sorte que les employés ne se mettent pas en danger quand ils travaillent avec les produits. Donc, mais la science, là, ça permet plein de portes. Moi, je vais donner juste un exemple. J'ai un ancien étudiant à la maîtrise, fait sa maîtrise avec moi. Aujourd'hui, il travaille à l'Agence du revenu du Canada pour tout ce qui est traité, les crédits d'impôt pour la recherche et le développement. C'est comme, on ne penserait pas ça en étudiant en science à l'université qu'on finirait à l'Agence du revenu. Mais à l'Agence du revenu, ils ont besoin d'employés qui comprennent la recherche et le développement dans l'analyse des dossiers d'impôts. Donc, ils engagent des gens comme ça. Donc, ça ouvre plein de portes, puis ça vous permet d'adresser différents défis dans la vie.
En terminant, j'enchaînerai avec une dernière question des jeunes, parce que je vois que le temps file déjà, ça passe vite. Donc, on se demande ici, auriez-vous un conseil à donner aux jeunes du secondaire qui nous écoutent? Ça serait quoi vos recommandations pour eux? Écoutez ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est le plus important. Puis là, ben, c'est sûr, je vais faire un peu de publicité pour l'INRS. Si la recherche vous intéresse, on a un programme à l'INRS qui s'appelle le programme apprenti-chercheur. Faites un stage d'une semaine sous la supervision d'un étudiant ou d'une étudiante au cycle supérieur, donc à la maîtrise ou au doctorat. Vous intéressez avec cette personne-là pendant une semaine. Puis ça, ça peut permettre de clarifier, de voir un peu, est-ce que vous avez l'intérêt pour ce genre de milieu-là, pour votre vie future? Mais mon point le plus important, c'est écouter ce que votre cœur a envie de faire. Moi, j'ai après mon bac en chimie, j'aurais pu aller travailler à 50 000 $ par année dans une compagnie. Ben, je suis allé travailler à 13 000 $ par année comme étudiant à la maîtrise. Puis après ma maîtrise, j'ai dit, ah non, mais je vais continuer, je vais faire un doctorat. J'ai jamais arrêté, puis j'ai très bien gagné ma vie. Donc, écoutez ce que vous avez envie de faire. Quand on a un métier qui nous passionne, la vie est tellement facile. Et sur ces belles paroles motivantes, c'est ce qui met fin à notre entrevue aujourd'hui. Un énorme merci, M. Légaré, pour votre temps. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer là, par rapport à votre processus de choix scolaire et professionnel. Puis on l'a dit pendant l'entrevue, il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Donc, laissez-vous une chance, soyez résilients et poursuivez si vous avez la passion pour le monde scientifique. C'est plein de belles perspectives d'avenir. Donc là-dessus, un énorme merci, M. Légaré, encore une fois. Et les jeunes, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci. Merci.